puisqu'il s'agit de la plateforme de la transition écologique. Imago TV, c'est... Allô Nico ? Comment ça va, Flo? Ça va et toi? Mais là, je suis en train de regarder une vidéo de Télématin. Ils sont encore en train de parler de toi. Mais c'est quoi cette histoire? Ils sont fous amoureux. T'es toujours pas passé au JTR et tu passes chez Bourdin avant de passer chez nous? Quelle honte. Viens, tout de suite, on fait le terre-à-terre du JTR sur Imago. C'est décidé. Alors, Imago, c'est quoi? Bah, c'est une plateforme vidéo, audiovisuelle même, puisque tu vas retrouver des courts-métrages, des documentaires, des web-séries, mais aussi des podcasts audio. Bref, 365 heures de contenu rien que pour toi et pour ta conscience. C'est quand même mieux que cet algorithme YouTube qui va te proposer des vidéos de buzz et de chalol pendant des mois et des mois, juste parce que t'as fait l'erreur de regarder il y a 3 ans à quoi pouvait bien ressembler une vidéo de Jerem Star. Hey, on est pas posé. Petite confidence, je suis un petit peu un VIP chez Imago, puisque ça fait 2 ans que je suis le projet maintenant, puisque Nicolas et Philippe, les 2 co-créateurs, sont mes amis et ils se sont lancés dans le projet d'Ima. Il arrive. Hello. Salut mec, comment ça va? Je t'ai proposé une bière. Allez. Bon alors, les Gitariens veulent savoir, Imago, ça a commencé quand cette histoire? Bah écoute, tu te souviens, à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, on bossait avec Felipe sur le web magazine Les gens qui s'aiment. On avait lancé ça, on était assez contents, assez satisfaits du résultat, mais on n'a pas eu l'audience qu'on espérait. Et on s'est dit, bah mince, si quand on est créateur de contenu, on a du mal à atteindre un public, et que le public lui-même a du mal à découvrir les contenus qui existent et qui sont pourtant vachement nombreux sur Internet, c'est qu'il y a un problème de mise en relation. Mais est-ce que vraiment... ça permet de lutter contre l'hégémonie de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, tout ça. Pour l'instant, on va pas se cacher, la majorité, malheureusement, des contenus sont encore sur YouTube. Mais ce que permet Imago, c'est d'être un peu une surcouche au-dessus des hébergeurs de contenu. Les hébergeurs, c'est qui? Bah, c'est YouTube, justement, mais ça va être aussi des hébergeurs alternatifs comme Peertube, une association à Lyon, ou comme WeTube, une petite entreprise française de gens bien cool aussi. Eux proposent justement des solutions d'hébergement ultra alternatives. Et ce que va permettre Imago, c'est d'assurer et de permettre aux vidéastes très engagés sur des plateformes comme YouTube de petit à petit assurer leur transition. Il y en a qui le font déjà. Thinkerview, Datagull, ils sont déjà sur Peertube par exemple. Nous, notre idée, c'est d'aider un maximum de contenu à aller sur ces plateformes-là. Alors pourquoi s'abonner à Imago? Pourquoi aller voir des vidéos sur Imago? C'est une action concrète pour le changement. Il va y avoir les fonctions coopératives. On ambitionne qu'Imago soit à terme un vrai réseau social. Avec Captain Fact, par exemple, on va rajouter du fact-checking. Et puis, on a plein d'autres idées, mais on t'en dira un peu plus peut-être dans les semaines qui viennent. Ensuite, regarder des vidéos, ça c'est super concret. On apprend énormément de choses et des contenus comme le JTR, des émissions, il y en a plus d'une 50aine sur Imago. À ça, t'ajoutes les docus, les courts-métrages, les podcasts. Ça fourmille d'informations hyper concrètes sur la vie de tous les jours. On s'est tous enfermés dans un monde, dans un imaginaire qui est celui tel qu'il est vendu par le monde capitaliste, par les médias traditionnels, par la pub. Il y a vraiment un énorme travail à faire de recréation d'imaginaire grâce à la vidéo. La vidéo, c'est génial, c'est ultra pédagogique et ça peut créer vraiment une nouvelle vision du monde. Si on n'a pas de nouvelle vision du monde, on va pas savoir quoi construire, vers où aller. Et ça, c'est super important. Ben voilà, chers vivants qui veulent rester, maintenant tu connais Imago. Alors, il n'y a plus de raison. Go, go, go.